Salut, c'est Xavier014 pour ce 24e épisode de GalaxyCraft. Depuis le dernier épisode, j'ai comme toujours un peu avancé à la construction. Je suis en train de faire des étages de ce côté-là. Pour le prochain épisode, je vais avoir fini ça parce que je vais faire quelque chose ici au prochain épisode, mais on voit que c'est pas du tout terminé. C'est ça. Et si j'ai beaucoup avancé le mur, c'est beaucoup plus avancé que l'autre côté. Qu'est-ce qu'il y en a ici, j'ai commencé. Je sais pas si j'avais commencé le dernier épisode, mais j'ai des réservoirs maintenant. Un réservoir à jus de pomme qui est presque à 4000 seaux, puis un réservoir d'eau qui j'ai mis il y a pas longtemps, puis il y a à peu près autant. Il est même. Ok, je pensais qu'il était exactement au même niveau, mais non. Il était un petit peu plus vite, mais il va le dépasser très rapidement. Aussi, ce que j'ai fait, j'ai le cobble plat démonté jusqu'en haut. C'était pas dur. J'ai un petit peu racheté quelques abeilles. J'ai racheté une rangée ici. J'en rajouterai pas plus. Pour l'instant, ça produit bien assez comme ça. On pourra pas voir ici, mais bon. La déco aussi, j'ai pas encore avancé. C'est encore beaucoup. C'est encore vraiment en construction. C'est pas du tout terminé. Bon, ensuite, en bas, j'ai avancé quand même pas mal de pièces. J'ai presque tout rempli le premier étage du côté gauche du vaisseau parce que l'avant est par là-bas. Oui, il y a un avant. Hein. Plus tard, il va en avoir un, mais je sais qu'il va être là. Alors, j'ai fait ça. Celui-là, il marche pas encore, mais celui-là, il marche. Il fait la biomasse. Biomasse. Avec de l'eau. J'utilise pas encore le jus de pomme parce que. Ben, le jus de fruits parce que j'attends d'avoir des arbres. Qui font du jus de fruits, je sais pas qui font du jus de fruits mais qui font des papayes, c'est ça. Ici j'ai fait l'éthanol, j'ai fait une plus grande production qu'avant encore, j'ai mis ça pour arrêter. C'est parfait, ça j'en ai mis 6. Et ici j'ai mis la lave, j'en ai mis 2, plus tard je vais mettre un troisième même, je pense, non pas un troisième. Ça marchera pas un troisième. Attends, ça me fait penser que. Que oui, il faut que je le rapproche. Il faut que je coupe le cop sans en faire cracher le jeu. Puis je suis sûr que vous voulez pas une coupure brutale dans la vidéo. Ici. Ah parfait. Comme ça, le cerveau. Et un extrait. Parce que sinon j'aurais pas pu mettre ce système là. Ce système là c'est parce que je vais pas mettre d'upgrade MJ, alors j'alimente ça en EU avec ces convertisseurs. Quoique même je serais pas obligé d'en faire d'autres. Bon, on verra rendu là, je suis pas encore rendu au deuxième. Alors, ces systèmes-là sont pas tous finis. Celui-là, je pense qu'il va rester comme ça. Mais les autres, ils vont changer, je pense. Ils vont changer un peu. Lui, ça me paraît bien quand même. Mais c'est juste qu'ici en dessous, ça va changer parce qu'il faut que j'alimente le deuxième. Je sais pas si. Je sais que je vais alimenter un en eau, un jus de fruits. Ou peut-être que ça dépend si je produis assez avec les papayes. Il me semble que c'est des papayes aussi. Mais je suis même plus sûr de c'est quoi. Aussi, niveau abeilles, j'ai continué à avancer. Je vais être Happy, Industrious, Héroïque, Infernal, Austère. Je suis rendu à End. Puis reste, ça va continuer après. J'ai mis beaucoup de coffres aussi. J'en ai crafté pas mal. Je commence à remplir tout. Puis, je commence un peu à m'inquiéter parce que j'ai peur d'avoir. D'avoir bien compté et que la salle soit pas assez longue. Alors je me demande ce que je vais l'agrandir parce que il n'y a pas vraiment la place. C'est ça le problème. Non, on verra ça rendu là parce que je suis pas encore au bout. Il me reste encore pas mal d'espace. Bon, alors. Niveau N, j'ai pas encore d'abeilles. C'était un des trucs que j'aurais aimé ça faire avant cet épisode, mais non.
Ensuite, rien de nouveau ici, je crois. Oui, je sais pas si je pense que la pièce-là était déjà faite au dernier épisode, mais il y a l'oxygène dedans. Comme ça, je peux retirer ça, puis je meurs pas. Le but, ça va être de le mettre partout après. Partout dans les petites pièces. Comme ici. Ça m'a pensé que... Ah, je les ai rangés. Bon, ce sera pas très esthétique, mais bon, c'est le seul bloc qui va me laisser passer les câbles en isolance. S'il n'y a rien, il n'y a pas d'appel. Ici. Comme ça. Et il manque un bloc en dessous. Puis ici, j'ai laissé ça pour pouvoir faire passer l'oxygène après. J'ai laissé un espace, j'aurais pu mettre le système autour ici, c'est ce que j'ai fait en premier, genre le consommateur de RF, le bridge là dans le coin, puis le producteur ici. Déjà ça marchait pas, alors j'ai fait tout de même avec un câble. Puis ça n'a pas marché non plus parce qu'il aurait fallu que je mette jamais où le distributeur d'oxygène. C'est la question. Alors, dans cet épisode j'ai envie de faire des abeilles. Parce que j'ai pu préparer des trucs. J'ai pas préparé la salle à face. Ou l'étage au-dessus en fait. Mais ça va être le prochain épisode. Je vais faire ça pour le prochain épisode. Je vais le faire tout ça. Alors qu'est-ce que je peux faire avec les médaux? Je vais regarder dans cette database. Future notation. Qu'est-ce que j'ai pas découvert? Celle-là, j'ai des abeilles pas découvertes. Enfin, j'ai trois branches de trois abeilles que j'ai pas découvert que je peux faire parce que les abeilles sont découvertes ici. Et bien sûr, je n'ai pas d'abeilles que je ne peux pas faire. Alors, quand j'aurai fait ça, j'aurai fait toutes les abeilles. Parce qu'il y en a que j'ai pas découvert le croisement, mais c'est des abeilles découvertes. Et ce croisement-là, c'est qui me perturbe un peu, genre une abeille pas découverte avec une meadow, c'est une abeille que j'ai découverte. Je sais pas, mais c'est un peu bizarre. Alors là ensuite, quand je regarde ça, moi ce que je fais après, c'est je vais regarder un peu plus précisément. Fait que je peux faire des arides. Ça va prendre des modestes qui sont là-bas. Je peux faire des. Avec des valiantes. Puis il y avait. Et ça j'ai déjà découvert des rurales. Ils en prennent des valiantes et des diligentes. Diligentes c'est ici. Des valiantes c'est juste ici. Je crois pas qu'il y avait une autre abeille qu'on pouvait faire. Même aussi ici. C'est la dernière. Ça va être des wintry, puis les wintry, je les ai pas encore, je crois. Alors, ça va être une autre fois, ça. Ok. Alors, on va faire tout ça. Ça me prend juste des modestes. Ça, maintenant, ce que je fais, c'est je regarde abeille par abeille ce que je peux faire avec. S'il y a des abeilles que j'ai pas découvertes. Ici, j'ai replacé quelques ruches pour mettre les abeilles. J'ai fait les forêts déjà avec cette méthode-là. Fait que j'ai eu ces abeilles-là et ceux-là. Ceux qui font du colorant rouge, truc complètement inutile, hein, vu le nombre de fleurs que j'ai. Et il y avait aussi, c'est tout, les autres ils font rien, c'est juste une abeille comme ça qui fait rien de sa vie. Ensuite les modestes, je les ai transférés, merde. Ouais, j'avais oublié que je les ai transférés, faut que j'y retourne. Pas grave, avec l'Advanced Jetpack ça va vite. Au-dessus, je vais faire un petit truc. J'ai pour ça qu'il y a des cubes qui traînent. C'est pas parce que je mets partout. C'est juste des mesures d'une pièce. J'avais oublié que les modestes, je les avais transférés. Et aussi, ben, en passant, la branche modeste n'est pas terminée. Il reste une abeille ici. Je sais pas si je vous l'avais déjà dit ça par exemple. Là, normalement, ça va prendre trois princesses. Bon, voilà, c'est fait.
Alors voilà, c'est des croisements. Des arides, je vois pas des communs. Là, tu peux des mutagènes. Ok. Les arides. Ça va être utile parce qu'avec ça, si on peut faire ça, on peut faire ça, puis on peut faire ça. Ouais, ça va être utile, mais dans longtemps. parce que ça, c'est les abeilles qui font les dernières abeilles de la branche austère. Ça. Et voilà, c'est fait. Maintenant, je vais faire d'autres croisements, les rurales, en étant, parce qu'il faut, je veux pas que ça rate le croisement. Et ça, avec des choses de bête que je sais pas ce qu'ils font. Je peux t'accorder des. Je peux t'accorder du colorant, j'imagine. Ça m'avait l'air de ça. Bon, on va regarder ce qu'ils font toutes les abeilles là. Ceux-là. Des cons comme ça qui font absolument rien. Ok, c'est très très bien. Ceux-là, il me semble qu'ils font du blé. D'accord, une autre abeille qui a du blé. Je sais pas pourquoi il y en a fait autant dans la foresterie des abeilles qui font du blé. Mais bon. Des honey et des tented. Et c'est du jaune. Ok, encore une abeille inutile. Non, on va peut-être faire tuer ces abeilles-là. Faut que j'y passe un coup ici. Pas avec celle-là parce que je ne vais pas les rendre mes dos. On les passe là-dedans. Puis je reprends après encore. Parce que c'est encore un truc qui est lent. Je vais regarder mon énergie en passant. Ça descend très vite, hein. Voilà pourquoi ça consomme. Je disais que ça consomme énormément d'énergie. C'est lent, ça consomme beaucoup d'énergie. C'est terrible. Alors là, plus tard, quand c'est fini. Voilà, c'est fini. Là, il faut tout aller mettre ça dans des ruches. Voilà, je vais l'analyser aussi avant. Comme ça, voilà. Bien sûr, je leur ai enlevé leur effet parce que j'en ai pas envie. Si on regarde, ah. Chaque rendu à 61 espèces de découvertes et 24 branches. Lorsque j'ai découvert des nouvelles branches. Ah, celle-là j'ai découvert, c'est les rurales. Les arides ici. Et ensuite. Encore dans les primaries, l'autre, le l'abeille. C'est une des dernières branches que je vais les classer. De toute façon, fait que ça va être un peu gênant. Les marrons là, sont ici. Pas les marrons, mais les... je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas. Je sais pas comment dire. Là, faut que j'attende que ça meure. Je sais pas si vous entendez, mais ça gueule derrière. C'est normal. C'est tout le temps comme ça. Bon, on va aller voir avec les commandes si on peut faire quelque chose. Je vais ici en premier. Command. Future mutation. Okay, j'ai deux espèces que j'ai des moyens de faire. Je vais faire celle-là et celle-là. Ok. J'ai deux espèces, ça a quelque chose à faire. Maintenant, on regarde ici. Use. Il faut leur attendre un peu. La baine à découverte. Des. Ça, c'est déjà fait. Les marchés. C'est quoi qu'ils font ceux-là? C'est pas des festives ceux-là? Ah oui! Ah oui, c'est le fun. Il faut des cookies puis des têtes.
Ouais, c'est très. Ce serait le fun, hein. Je vais me faire ça un jour. Oh. Zeus. Ben, je pouvais faire ceux-là quand les alliés vont mourir. Et il y en avait une autre que je pouvais faire, ça devait être celle-là. Mais Marchi, j'ai pas fait la branche alors. Je vais me lancer dans la branche Marchi. Ben, déjà, est-ce que j'ai les espèces. Est-ce que j'ai analysé des Marchi? Oui, j'ai bien analysé des Marchi. Ok. Ok, ben, faut que je me lance dans la branche Marchi. Hein? Et juste, c'est comme ça. Et Marchi. Je pourrais être quelque part ici, toi. Ah, c'est comme ça. Ouais. Et avec les, après les rurales, puis c'est quand même loin, fait j'ai quand même du temps. Alors, je suis peut-être pas obligé de faire ça. Maintenant qu'avec les communs, il n'y a pas grand-chose que je peux faire tout de suite. Alors, est-ce qu'avec les. Cultivité, il y a quelque chose. Fermed, même chose, je peux pas y faire tout de suite. Galanizade, j'ai déjà fait. Dijon, j'ai déjà. C'est quelque chose que je peux faire. Future mutation. Ouais, il y avait juste une que j'ai pas découvert. Ok. Non, il y a juste ça que je peux faire tantôt, c'est la première que j'ai vue. Avec les Fermed. Qui donnent juste quoi pour. Comme ça. Ah, c'est celui qui donne du seed oil. Ah, intéressant. Je m'en ferai une production de ça. Quel seed oil, je vais en avoir besoin pour faire les ruches. Pour faire les alvéries, puis tout ça, je vais faire des alvéries bientôt. J'irai de quoi en faire une, mais pas tant que ça en fait. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais tu sais, j'ai pas assez de ce qui est supposé être là-dedans, là. Ça là. Ce qu'on voyait pas. Alors je vais faire une ellipse, le temps de récupérer quelques abeilles, puis je reviens après parce qu'il faut que j'attende que les abeilles meurent pour pouvoir récupérer des drones, puis pouvoir un petit peu avancer, puis faire des nouvelles abeilles. Puis je vais faire la branche marché. Je vais commencer la branche marché en même temps. Alors à plus tard quand j'ai un peu avancé. Je suis prêt pour faire les communs. On va faire des nouvelles abeilles avec les communs. Je pense qu'on va arrêter pour les croisements ben, ici, juste après celui-là pour cet épisode. Alors on fait ceux-là. On attend 2-3 secondes. Puis on va faire ceux-là. Pas ceux-là. Heureusement que j'ai l'Advanced, sinon ça aurait fait au hasard entre les deux. Ou ça aurait fait un mélange des deux, je sais pas. Mais dans les deux cas, ça aurait été pas le fun. Alors on va placer ça ici, eux on finit. Alors on va mettre ceux-là ici. Ah non, il y a des effets que j'aime pas. Ah, j'avais oublié d'aller clear les effets. Parce que je pense que les autres. Heureusement que j'ai mis celui-là en premier parce que je crois que les autres avaient un effet beaucoup plus terrible, si je me trompe pas. Ok, donc on n'a pas d'effet, c'est ça. Slowness. Faut pas que j'oublie pour des abeilles dangereuses. Hein. Pour des abeilles dangereuses, je suis mieux de pas oublier ce détail. Là, il n'y a pas de problème, c'est des petites abeilles tranquilles, mais là, quand j'arrivais, ah, je sais pas quoi, moi. Donc j'aurais fait les Exited comme ça là. Encore ceux qui ont les faits radioactifs, là, ceux que je vais faire bientôt, les vindictives, là. Il me semble que c'est ça. Si j'aurais laissé les faits là, ça aurait pu être très dévastateur. Puis merde. Merde. Non. Non. Je vais le faire. Faut que je m'en fasse mes abeilles. Ok. C'est très très le faire ça. Ah non. Bon, je fais une petite séquence pour qu'on regarde ce qui est rendu à Quarry Plus. Hein. Je l'ai placé ici, je sais pas si je l'avais déjà montré. Un peu de lag, c'est à cause de l'XP qui va sûrement apparaître.
Exactement. Il n'y en a pas tant que ça. J'aurais peut-être dû venir un petit peu avant. Bon, faut que j'essaie. Salut. Dommage, je t'ai couru plus, ramasse pas l'XP. Parce que ça a été bien pratique. Vu que tout ce que ça drop, je me suis fait des fois. Un tour, je suis fait 50 niveaux. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas grand chose. Ça, c'est pas l'XP que toute la quarry a faite, c'est l'XP que ça a fait en 10 couches de minage. Alors, oui, ça en fait pas mal. Et je sais pas c'est quoi le mec qui fait autant d'XP parce que c'est pas. En plus, la quarry est presque finie. Alors, on va finir l'épisode sur ça, puis sur les abeilles. En fait, il y en a quand même pas mal. J'ai rien dit. Je ne me montre pas au niveau 50, là, je peux en être sûr, mais. Je vous reprends quand j'ai tout ramassé cet XP pour vous montrer le résultat final, combien de niveaux ça fait au total. Bon voilà, j'ai fait 50 niveaux, je disais que j'arriverais pas à 50, mais finalement, oui, je suis arrivé à 50. Bon, j'ai sous-estimé le nombre d'XP qu'il y avait. Bon, alors on va accélérer ça pour que je puisse ramasser la quarry. Allez, plus vite. Finis-moi ça très rapidement. Donc voilà, j'ai déjà une pioche fortune 3, je l'ai vu dans un épisode pour la quarry. Alors on va faire ça bientôt, dès une fois que ça l'aura fini. Bon, la quarry est finie. Je vais pouvoir tout ramasser. Peut-être pas tout, en fait. Ça, je la remets dans le coin, après, je vais la remettre pas loin. Parce qu'il y a encore beaucoup de marbre. Je vais la faire genre un peu plus par ici. Là. Je vais la faire sur un autre quarry. Il part le coin, qui part là, jusqu'ils n'ont pas le temps que moi que ça, peut-être ici, jusque là-bas, puis un peu plus loin par là-bas. Peut-être faire la taille maximum aussi. Je sais pas encore. On diminue l'output, comme ça arrête de se vider. Et là, on ramasse l'aquarium. Bon. Alors, je vais aller enchanter ça. Et je vais rentrer tout de suite en fait. Pour commencer. On voit comme je l'ai placé loin. J'ai trouvé un immense filon de marbre ici, fait que je l'ai placé là. Alors, on y va. Non, pas ça. Bon, et voilà. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est tout simplement prendre la pioche fortune 3 qui est ici et mettre la quarry ici je crois comme ça et on balance la fortune dessus. Je récupère la pioche, on s'en va l'enchanter. Je peux prendre 50 niveaux sur moi parce que c'est pas rentable. Alors il faut que je vide un peu les niveaux d'XP. Je vais garder comme 20 niveaux. Parce que 50 niveaux ça va me consommer 20 mais j'aurais pu faire 40 niveaux avec les 20 que ça me consomme. Fait que je vais me le vider un peu. Donc le tank il est déjà presque plein. Je pense pas que je vais le remplir mais je l'ai encore agrandi. C'est rendu. C'est un truc de malade, toutes les quoi les plus ramènent. Bon. Ça c'est correct. 20 niveaux c'est le maximum que la table d'enchantement que j'ai faite peut aller. Je
Je pourrais acheter des bibliothèques auto, mais j'ai pas assez de livres. Non, je le fais pas. Alors je vais mettre une. Je vais mettre solidité 3, ça coûte 18. Je vais regarder. Ah. Ah, ok. Bon. Solidité plus. Non. Solidité, est-ce que je fais d'efficacité? Non. Ok, je vais mettre 6. Est enchanté, solidité 3. Et je vais déplacer l'enchantement sur ma quarry. C'est un réservoir qui fait la moitié de la taille du vaisseau pour ceux qui l'expliquent la quarry. C'est pas la quarry que je vais enchanter, c'est la pioche. Bon. Ça coûte 5 niveaux, j'ai bien fait de prendre 5 niveaux. Normalement c'est correct ça. Tiens. Normalement je peux dépasser l'efficacité de la quarry en efficacité 5. Quarry plus. Efficacité 5, mais juste que c'est le touch. Mais je le mettrai pas parce que. Je vais le mettre pour la prochaine fois parce que c'est un peu plus compliqué à gérer de le touch. Si je mets du seal touch, il va falloir que je mette. Que je fasse une liste d'éditeurs, puis plein de trucs comme ça. Là, ça va être le bordel. Tiens, ça c'est correct. Alors vous pouvez retourner ici. J'ai juste besoin d'un drone. Je vais faire la dernière espèce que j'ai pas faite. J'ai déjà fait l'autre là avec les marchés. Je l'ai déjà faite. Il manque juste celle-là qu'il faut que je fasse. J'espère que j'ai pas quand même. J'ai quand même un truc ici. Ah bien sûr, j'allais porter le mauvais là-bas. Ah ah, ah, c'est très drôle. J'espère que c'est ça ou que j'espère que je ne me suis pas trompé. Hein. Si j'espère que j'ai pas. J'ai mis les caractères sur ce template là, j'espère que je ne me suis pas trompé de sens, sinon il va falloir tout que je fasse. Ici, les spectrales, j'ai mis un race. Parce que j'ai mis les spectrales ici. Ils n'y étaient pas au début de l'épisode. Ok, bon. Juste après avoir fait cette espèce-là, on ira voir ce que ça donne une quarry plus enchantée comme ça. Sur la baie, là. Et attends, on attend un peu. Voilà. Normalement, je l'ai déjà analysé, mais pour être sûr. J'ai refait, ouais je l'ai déjà analysé. Puis avec cette abeille-là, il me semble qu'il y a un croisement que je vais pouvoir faire après. Ouais c'est ça, avec les forests. Je vais pouvoir finir un autre croisement que j'ai pas fait avec les forests. Je pense que ça va être les Wintry qui vont me manquer, mais je suis pas sûr. C'est où les arides? Ici. C'est la suite de la branche. Ok bien sûr. La fleur qui gêne. Que ça arrive, mais avant il faut que je place ici. On a quand même bien avancé sur les abeilles, 63 espèces. On a fait la moitié, ça. On n'a pas encore la moitié, mais presque. On est presque à la moitié, mais c'est pas encore tout à fait ça. Là, je me lance un peu dans les branches, le côté qui va te faire des liquides un peu plus. J'ai trois underpearls ici. C'est un peu plus là-dessus que je me lance ceux qui vont faire du steel, du pétrole, du fuel, tout ça. Ça va être très bien. Les négo de fer, j'en ai pas besoin. Il me drop un négo de fer, le zombie que j'ai tué tantôt. Je l'avais pas remarqué. Bon. Bon, ça c'est correct. Il faut. Il faut rien du tout. Pourquoi j'ai autant un peu de phosphore que ça, j'en ai aucune idée. Oui, il faut des landmarks. Oui, il faut aller quelque chose. Tiens, comme ça. Je pense pas que je vais faire des landmarks plus. Pour la quarry plus, je vais utiliser des landmarks normales tout le temps. Et j'en ferai pas, je veux dire, j'en ferai jamais, c'est ce que je veux dire. C'est correct. J'ai supposé en avoir un quatrième, mais vu que j'ai beaucoup de misère à les garder dans le marque,
Ça va être correct comme ça. Alors on se reprend. Où est-ce que je vais mettre la quarry? Ah, tu empêches mon début. Allez, va-t'en. bon, je suis revenu. Je suis revenu ici. Il faut juste que je fasse ça. Je pense que je vais faire la grandeur maximum. Je crois qu'il y avait un autre qui t'attend. Faut aller là-bas. Un trop. Dégagé. Venez-vous-en. Je peux pas vous voir. Un trop. Je vais faire une épée Sharpness. On fait un épisode là-dessus sur une épée Sharpness 5. Je sais pas. Peut-être pas. Elle est enchantée. Je sais pas si je peux la changer. Moi, je creuse avec l'épée parce qu'il y a trop de mobs. Bon, on creuse jusqu'à temps de trouver le bout parce que je vais faire la grandeur maximum à moins que ce soit trop grand. Tiens, est-ce qu'ici est encore là? Ah ben si, je t'avais tiré dessus. Salut. Pourquoi t'es à côté de moi puis tu m'attaquais pas? Pas que je me plains, mais c'est que c'est pas dans vos habitudes. Pas ici. Des creepers. Mais trop noble. Un zombie qui arrive? Non, oui, c'est ça. Va-t'en! Parce qu'avec cette épée-là, ça tenait 5, je suis sûr que je one-shot toutes les monstres. Ok. C'était à côté. Ah, ici. Ok, il finissait un bloc à la fin de la montagne. C'est chiant ça que je l'ai pas vu. Bon. Je vais garder un maximum aussi parce que... Simplement parce que je vais avoir des abeilles à la tombe bientôt, je crois. C'est pas, je pense que ça va être les prochaines que je vais faire. Parce que niveau fer, je suis ok. Puis de toute façon, oh, voilà, c'est installé. Faut juste que je parte l'énergie puisque je l'avais coupé. Avec 50 RF, ça va aller à quelle vitesse? Bon, quand même vite. Si ça mine à cette vitesse-là ou si ça mine plus vite, bon, moi j'ai fait une bonne affaire. Hein, J'aurais un peu plus que ça pour des débuts. Plus que 50. Vous voyez 10 MJ. Et on envoie 10 MJ, voir à quelle vitesse ça va. Ah oui. Pour les pomper. C'est arrêté là? Poser pompé. Ah oui, il y a pompé. Ok. C'est super ça. Il reste du sable. Ah, il repasse. C'est là pour payer, il me semble.
Elle va en payer les deux, c'est pour ça. Ok. C'est pour ça. Ok. Bon. C'est ça qu'il va falloir que je vive quand je vais avoir une pelle. Bon, dans ces courriers-là, ça va bien. Je vais descendre un peu la vitesse après, là, quand ça va être fini. Mais, parce que ça va aller bien trop vite, toutes ces ressources-là. Ils disent qu'ils vont se remplir bien trop vite. Il a déjà mis le... Tu m'enlèves ça, c'est dégueulasse. Bon, ça va être tout pour cet épisode. Je pense qu'on est déjà à une bonne trentaine de minutes, alors... C'est trentaine de minutes minimum, je dis 30 minutes minimum. D'ici le prochain épisode, j'avance encore tous les trucs. Ce courrier-là va être pas fini, mais bon. Je sais pas si c'est la dernière courrier que je fais. Non, je vais faire au moins une autre après. Au moins une autre après. C'est sûr. Merci. Ouais, encore merci. Bon, je vais arrêter de monter là-dessus, c'est... C'est inutile, bon. J'en ferai au moins une autre après, peut-être pas une, peut-être une autre encore. Sûrement d'autres après, juste pour du marbre. Je mettrai un tri à la sortie, puis ça sortira, ça voidera tout le reste, ça gardera juste le marbre. Parce que le vaisseau, il est pas terminé, hein, puis ça va prendre encore du marbre. Bon, ben c'est ça, alors je vais vous dire à la prochaine pour le prochain épisode. Alors, salut et bye!